Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la nouvelle rubrique Magie et Curiosité. Mais vous savez comment ça commence, en principe c'est le générique. C'est parti. Merci à toutes et à tous d'être toujours aussi nombreux et nombreuses à me suivre et puis à travailler tous ces petits tours de magie. Vous avez vu, ça, quand c'est bien travaillé, c'est bluffant. Alors pour le premier tour, c'est dans le sac. Vous prenez 20 cartes, comme ceci, d'accord? Et puis un sac en papier. Vous faites choisir une carte, ok, n'importe laquelle. Donc le spectateur choisit n'importe quelle carte. Les autres, vous les mettez dans le sac. Et vous dites, ok, vous regardez bien la carte. Hein. Bon, je vous mime le truc. Vous la mettez dans le sac, ok. Et vous faites sauter le sac. Et le truc, c'est que vous allez en mesure d'aller chercher cette carte et de la ressortir. Alors comment ça se passe? Approchez-vous, je vous explique. Alors en fait, c'est relativement simple. Vous mettez toutes les cartes dedans, il garde sa carte, il la regarde, il peut la signer, et quand vous la récupérez et vous la mettez dans le sac, eh bien vous la récupérez et vous la pliez comme ceci, d'accord? Et vous la mettez dans le sac. Et vous lui faites secouer. Ce qui fait qu'au toucher, vous êtes en mesure de trouver la carte assez facilement. Avant de la sortir, vous la redressez un peu, comme ceci. Ok. Et voilà, le tour est joué. Bluffant, n'est-ce pas? Alors entraînez-vous. Vous pliez bien la carte, vous la mettez dedans, vous faites secouer, hop, vous plongez la main, vous cherchez, vous la sortez et vous la redressez avant de la sortir, bien sûr. Tour suivant. Alors pour le tour suivant, c'est un changement de couleur. Avec un foulard et une carte dans un verre, regardez bien. Attention, on met juste le foulard comme ceci sur le verre. Et en un instant, la carte a changé de couleur. Incroyable, n'est-ce pas? Approchez-vous. Alors pour ce changement de couleur, il vous faudra en fait deux cartes, d'accord, que vous allez glisser dans le verre comme ceci. Le mieux c'est de se faire une carte double face, vous les collez, vous pouvez les coller aussi. Ok, et l'idée, eh bien, alors moi j'ai pris deux foulards parce que le mien est un peu transparent. En fait l'idée c'est que lorsque vous venez couvrir le verre, au moment où vous couvrez le verre, eh bien tout simplement derrière, vous tournez comme ceci. Et vous tirez avec le foulard pour que la carte fasse juste comme ça, la double carte. Okay, ce qui fait que quand vous enlevez, d'accord, je peux même vous le refaire là, voyez-vous, comme ceci. Donc on est comme ça, d'accord, on vient couvrir, on fait ça et hop, le change est fait à vue. Voilà. Donc surtout entraînez-vous pour ce type de change parce que c'est très très flash. Si c'est bien fait, je peux vous dire que vous allez en bluffer plus d'un. Tour suivant. Alors le dernier et troisième tour, troisième et dernier tour, s'appelle TGV. Pourquoi? Parce que c'est une façon très rapide, très rapide, de retrouver une carte. Donc, un jeu de cartes, d'accord? Vous faites choisir une carte au spectateur, là. Moi, je regarde pas, hein. D'accord? Il sort la carte, comme ceci, je veux pas voir. C'est bon? Très bien. Ok, et on la remet quelque part, je vois pas, quelque part dans le jeu. Voilà, vous êtes d'accord avec moi que là, eh bien, il suffit qu'en un éclair, on cherche, toc, et on se dit, tiens, c'est marrant parce que c'est celle-là. Voilà, explication. Pour ce tour, c'est très très simple en fait. Bien, vous classez votre jeu. Donc, les noirs d'un côté, les rouges de l'autre. Ok? Et ensuite, quand vous faites choisir au spectateur, vous étalez tout doucement la première partie pour qu'il choisisse dans les noirs. Donc, il choisit une carte noire, il la regarde. Et quand vous la remettez, vous effeuillez et vous lui dites, tu me dis stop quand tu veux, stop. Et en fait, l'idée, c'est de la remettre dans les rouges. Ce qui fait que lorsque vous allez prendre le jeu de cartes vers vous, eh bien, tout simplement, vous savez que la carte noire qui est parmi les rouges, c'est sa carte. Vous révélez sa carte et surtout, très important derrière, eh bien, vous faites un mélange, d'accord, ok, et vous pouvez tout examiner. Voilà. Donc travaillez bien ce tour, vous verrez, ça marche très 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 bien. Voilà, c'était la rubrique Magie et Curiosité du mois de mai. Bossez bien vos tours, vous verrez, en principe, ça marche très très bien. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être toujours aussi nombreux et nombreuses sur la chaîne. La vidéo avec Fabien sort fin mai. Moi, vous pouvez me retrouver vendredi chez Mose, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Et puis, bien évidemment, rendez-vous samedi pour un Magie Jazzy. Allez, je vous souhaite une bonne magie et à très vite. Salut! We'll be right back.